lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils s'en servent la terre comme les doigts de la main. Encore tout chaud du four. Au voleur, au voleur. Quel malheur, on m'a tout volé, venez voir tous. Venez voir les voleurs, ils m'ont rien laissé du tout. Oh vite, je vous en prie, ils m'ont laissé un message. Regardez sur le mur. Attention, ce soir, toutes ces armes sont tombées entre nos mains. La prochaine fois, ce sera Paris. Le faucon bleu, malheur, il faut que j'aille avertir mes supérieurs. À l'époque, vivait un pirate surnommé le faucon bleu. Avec sa bande de vilains, il effrayait tout le monde en France, comme partout ailleurs d'ailleurs. Le faucon bleu est en route pour Paris. Le faucon bleu va bientôt arriver. Si ce bandit entre dans Paris, nous sommes perdus. Faucon bleu, les volets. Cette fois, toutes les issues de la maison sont bouclées. Pas tout à fait, il reste encore à fermer la porte de derrière. Ah, c'est vrai, je descends le faire tout de suite. Restez là, monsieur, je m'en charge. Ce sont nos ombres, quelle souris mouillée. Monsieur de Jussin, qui... Et qui êtes-vous donc, ma brave femme? Le faucon bleu caché sous ses oripeaux? Ah, voilà une drôle d'idée. Je ne suis qu'une pauvre vieille.
Et comment vous connaissez mon nom? Tout Paris connaît votre nom et vos exploits, monsieur de Jussac. Non, c'est vrai, c'est ce que tu me racontes, vieille sorcière. Bien sûr que c'est vrai. Malheur, voilà qu'un voleur a bu tout mon vin. Laissez cette bouteille, écoutez-moi. Je dis la bonne aventure et je viens de voir un fabuleux destin inscrit sur votre visage. Eh ouais, vous êtes réellement capable de me prédire mon avenir. Venez avec moi et je vous révélerai votre avenir qui, j'en suis sûr, est plein d'honneur et de richesse. Alors allons-y, ne perdons pas de temps. Vous deviendrez aussi quelqu'un de haut rang? Certainement, et vous obtiendrez tout ce que votre cœur désire, de l'or, de l'argent, des bijoux. Vous allez être sûr? Votre situation va atteindre des hauteurs insoupçonnées. Oh, j'espère que c'est vrai. Ainsi, ma bonne étoile se décide enfin à me sourire. N'en doutez pas, je ne me trompe jamais dans mes prédictions. J'en suis persuadé. Mais dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour aider ma chance? Dites-le-moi, je vous obéirai au doigt et à l'œil. En tout premier lieu, vous devez obtenir les faveurs d'une personne influente. Et qui en réalité dirige la France à la place du roi, c'est Richelieu, mais... Mais quoi? Mais c'est que tout n'allait pas très bien pour moi ces temps derniers. J'ai perdu la confiance de son éminence. Il faut que vous la regagniez. Et vous savez comment je dois m'y prendre? Vous voyez ce bout de papier? Qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de la carte d'un trésor caché. C'est à partir de là que votre chance va commencer. Je n'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce que c'est que cette fable de bijoux volés au palais? Ce n'est pas une fable, Excellence. Au cours du règne de Sa Majesté Louis XII, on a volé les bijoux de la couronne qu'on appelait Lumière des Rois. Et je sais où ils se trouvent. J'espère pour vous que vous ne mentez pas. Je vous assure que c'est la stricte vérité. Voici la preuve de ce que j'avance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La moitié d'une carte qui indique l'emplacement où les bijoux sont enterrés, Excellence. Et où se trouve l'autre moitié? L'autre moitié est quelque part dans Paris. Dans Paris? Oui, et je sais qu'elle est cachée à l'intérieur d'un miroir. Et où se trouve ce miroir? À quoi ressemble-t-il? Et à qui appartient-il, allons? Je suis désolée, Excellence, mais je suis incapable de vous répondre. Alors si je comprends bien, il va falloir vérifier tous les miroirs de Paris, c'est ça? En effet, mais lorsque vous aurez découvert l'autre moitié de la carte du trésor, vous deviendrez l'homme le plus riche du monde et vous jouirez des faveurs de leur majesté. Monsieur de Rochefort, je vous supplie de me laisser vous aider dans cette entreprise. M'aider? C'est entendu, et si vous trouvez le trésor sans causer le moindre scandale, j'intercéderai pour vous auprès de son éminence. Merci beaucoup, monsieur. Écoutez-moi bien tous, il faut que vous dérobiez tous les miroirs de Paris, mais surtout attention à ce qu'on ne découvre pas qui vous êtes. À vous ordres. Au travail. Et bientôt, je serai l'homme le plus riche du monde. Non, rien là-dedans. Au secours! Entrez, c'est ouvert. Vous pouvez me prêter votre miroir, D'Artagnan? Bien sûr, Constance. Vous avez cassé le vôtre? Non, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Oh, mais le vôtre aussi a disparu. Ça, c'est curieux. Ah, mais oui, c'est vrai. Planchet, où est donc la glace? Oh, c'est plus habituel. Ça, là, elle était là il y a un instant. Hey, amis, vous imaginez pas le vent de panique qui souffle dehors? Il ne reste plus un seul miroir dans Paris, tout a disparu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? D'après ce que je vois, le vôtre a subi le même sort. Tu as raison, première reine, une drôle d'agitation dans la rue. Vous aussi, on vous a volé votre miroir? Ben oui, regardez ma barbe! Je n'ai même pas pu me coiffer, les voleurs ont pris toutes mes glaces! Oh, j'ai cru que vous lanciez une nouvelle mode. Quoi? C'est grotesque! Qu'est-ce que le voleur va faire de tous ces miroirs? Mais regardez enfin dans les miroirs, l'autre moitié de la carte ne s'y trouve pas! Vous êtes sûr qu'il n'en manque aucun? Certain, il ne reste pas un seul dans Paris! Vous vous trompez, vous avez oublié les miroirs de la reine. Les miroirs de la reine?
Mais c'est impossible de les voler. On ne peut pas pénétrer dans les appartements de Sa Majesté la Reine. Les mousquetaires les gardent jour et nuit. Alors, il faut les empêcher de monter la garde. Oui, mais comment? Hein? Mais pourquoi ne dérobe-t-il que des miroirs? Ah, c'est une excellente question, mais je n'en connais pas la réponse. Bah, ils ont pris le mien aussi et je n'ai pas pu me raser. Vous avez l'air d'un hérisson, Porthos. Oh, mais moi, je trouve pas ça drôle du tout. Oh, c'est terrible, messieurs. Quoi? Mais quoi donc? Les gens courent partout dans les rues en hurlant que ce soir, Paris deviendra une mer de flammes. Ils ont appris que des incendiaires veulent mettre le feu à Paris. Cette affaire est encore plus grave que l'autre. Il faut qu'on avertisse monsieur de Tréville. Ah, mais de toute urgence! Alors, allons-y! Je suis inquiète pour Sa Majesté la Reine. Il faut que j'aille tout de suite au palais. Seule, c'est trop dangereux. Je vous accompagne. Oh, je vous remercie, mais votre devoir est de vous mettre aux ordres de votre capitaine. Oui, ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un de sûr, moi, d'Artagnan. Je vais accompagner Constance. Vous devez rejoindre vos amis. Ils peuvent avoir besoin de votre aide. Je te remercie, Pomme. Surtout, veille bien sur elle. Je compte sur toi. Oh, elle sera très bien chaperonnée. Votre humble serviteur attend vos ordres, madame. Merci. Oh, ça fait un miroir. Ça fait appartenu à mon arrière-pensée. Oh, mais attention, alors, non. Vous pouvez pas regarder où vous mettez vos pieds. Ah. Ça va être la chute de Tréville. Sans aucun doute, Rochefort. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lui dire d'envoyer ses mousquetaires calmer les gens. Et pendant ce temps, nous déroberons tous les miroirs des appartements de la reine. Inutile de vous recommander la prudence. Personne ne doit nous soupçonner. Parle d'une possibilité d'incendie, tous les mousquetaires doivent garder la ville. Mobilisation générale. À vos ordres. Tous les mousquetaires ont quitté le palais, c'est le moment d'agir. Bien, éminence, j'y vais. C'est là, entrons. Et en silence. Chut. Je parie que c'est celui-là. C'est parfait. Vous savez lire cette carte, je suppose? Bien sûr, monsieur le comte. Maintenant, je sais où se trouve le trésor. Et où ça? Dans la forêt qui est située au nord de Paris. Dis, dépêchons-nous. Ça y est, on est arrivé. Oh, c'est le comte de Rochefort. Ils ont brisé le face à main de Sa Majesté. Je crois qu'on a découvert l'auteur des vols de miroirs. Il faut faire vite, Constance. Courez avertir d'Artagnan. Moi, je vais les poursuivre. Ah! Oh, c'est bien! Ah, oh là! Oh! Oh! Eh ben, oh! Ah! 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 Oh, mais quoi? Oh, pardon. Ah.
encore qui s'achète tout ça, c'est pas mal. Oh là là, faudrait que ça s'arrête là. Qu'est-ce qui t'arrive, vieille carne? Avance donc. Attendez-moi, revenez. Et attendez-moi. Pas question, mon bon monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que les bijoux seront à moi et à moi toute seule. Non mais dites donc, sorcière. Vous essayez de vous moquer de moi, peut-être? Je n'essaie pas, je me moque vraiment de vous. Votre cheval, par exemple, je lui ai donné une petite dose de poison. Qui es-tu, vieille sorcière? Réponds ou je te trucide. Tu tiens à le savoir? Eh bien, voilà la réponse. Non, mais je rêve. Je vois que tu m'as reconnu, Rochefort. Tu as devant toi le célèbre faucon bleu en personne. En garde, brigand. Adieu, monsieur le comte. Oh, mais j'ai pas chaud, moi, comme ça, hein. Une chaussure de pomme. Ce coffret ne vous appartient pas, hein. Et qui es-tu donc, moustique? Grossier personnage. Vous n'allez pas me dire que vous ne me connaissez pas. Je suis le célèbre Pomme et tout le monde tremble en entendant mon nom. Et maintenant, donnez-moi tout de suite ce coffret et sans broncher, hein. Tiens, t'as donc plutôt de ça. Aïe! Mais que... Hein? Oh, mais qui... Oh, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce... Où suis-je? Qu'est-ce que... Oh, mais... Oh, ça... Oh, pardon. Mais c'est Pomme. Tu es blessé, mon petit Pomme. Misérable, comment osez-vous dire que vous ne me connaissez pas? Je vais vous trucider. Reprends tes esprits, Pomme. Oh, c'est toi, D'Artagnan. Tiens, habille-toi vite. Oui, oh merci. Le faucon bleu a pris le contenu de ce petit coffret et qui plus est, il m'a assommé. Que je le retrouve et j'en fais de la chair à pâté. On peut encore le rattraper. Allez, vite, en selle. Me voilà. Arrête-le, D'Artagnan. Halte, bandit! Inutile de fuir, misérable, je vous tiens! Vous cherchez des ennuis, hein? Oh! En garde! Fais ça! Ta dernière heure est arrivée, blanc bec. Ah.
Mais c'est Porthos, Athos et Aramis. Reviens ici, poltron. Sauf qu'ils peuvent vite tout le monde au bateau. Halte, revenez ici, bande de lâches. Souquez plus fort, vous autres. Misérables lâches. Ils ont réussi à s'enfuir. Leur bateau a été prêt à lever l'ancre. Quelle poule mouillée. Tous les efforts de Pomme et de D'Artagnan n'avaient servi à rien, puisque la mystérieuse bande de pirates, conduite par leur chef Faucon Bleu, avait réussi à s'enfuir. Mais D'Artagnan et ses amis n'étaient pas les seuls à être déçus. Mais la mauvaise humeur de nos amis ne tarda pas à s'effacer devant la joie de Pomme qui avait trouvé un nouveau jeu. Oh, bravo, bravo, ça alors c'est chouette. Le plus drôle de l'histoire, c'est que nos amis Pomme, D'Artagnan et les trois mousquetaires ne suspectèrent jamais que les petites billes avec lesquelles jouait Pomme étaient en réalité les bijoux royaux, cause de la disparition des miroirs. Oh là 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 là! Oh, et l'autre qui t'invite!